Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. On démarre cette présentation de la Une des journaux de ce mercredi 21 juillet 2021 par l'agenda 2030 pour les objectifs du développement durable. Le journal Le Palmarès affiche 328 milliards décrochés, le volet social du quinquennat 21-26 acté. Fraternité met à sa une, acte inhumain déploré dans une confrérie au Bénin, ultime occasion de nettoyer l'écurie d'Ogias. Le chasseur info publie signature de partenariat entre SemeCity et Université de Sorbonne. Un nouvel envol pour l'innovation, la formation et l'entrepreneuriat béninois. Coups et blessures volontaires, le pays émergent nous informe que la libération de l'empereur des Ogboni Oholobe fait polémique et ses ministres complices sont déposés en prison. Affaire domaniale à Fidjrosekpo Tafieyon 2, le journal de notre époque dénonce de fausses conventions délivrées. Le leader du jour met à la manchette un extrait de la déclaration du président de l'Assemblée nationale hier à l'occasion de la fête de la Tabaski. Je cite, « Il y a un Dieu unique auquel nous avons à nous soumettre d'ici Louis Vlavonou à Porto-Novo. » 41e congrès des maires francophones à Kigali. Le journal Le Territorial constate que le maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo, fait l'apologie des Civitec pour l'amélioration de la gouvernance locale. Le Grand Matin nous apprend que les recteurs et doyens des facultés sont désormais désignés par appel à candidature parlant des réformes dans l'enseignement supérieur. Toujours dans l'enseignement supérieur, qui bloque les attestations de la 7e promotion des élèves professeurs de l'école normale et supérieure de Porto-Novo s'interroge le journal L'Affiche du jour. Mesdames, Messieurs, et pour finir, l'agence Digital and Communication Center invite tous les acteurs des médias à la soirée de gala qui consacre la phase finale du concours prix Indépendance médiatique 2021 le vendredi 30 juillet à 19h à l'hôtel Calimbas de Cotonou. Mesdames, Messieurs, c'est tout et c'est l'essentiel de l'actualité retenue par les journaux parvenus à la rédaction de Prime News TV Bénin. Portez-vous bien et à bientôt.